Je suis Victor Laszlo, chanteuse, comédienne et auteure également. Je viens d'écrire un livre à paraître chez Albin Michel. Alors moi, j'ai plusieurs premières fois. Première acquisition, première envie, première émotion fulgurante. Alors, dans tout ce puzzle, j'ai envie de commencer par la première fois, qui était la première acquisition, d'une œuvre, d'une photo, une photographie d'Alain Fleischer. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi je l'avais acquise, en fait. En réalité, c'est ces trois femmes représentées, une énorme, une normale, on va dire, et la troisième dans la fuite de la perspective, qui est la plus étirée, la plus mince. Trois étapes, trois moments de mon existence qui reviennent tout le temps. La femme dilatée dans... pas dans son épanouissement, mais dilatée dans sa souffrance, dans son mal-être. Parce que pour moi, la dilatation des corps n'est pas quelque chose d'heureux. Puis cette femme au milieu, équilibrée. En plus, il l'a placée au milieu, hein, sur la porte. Les trois portes se succèdent dans cette fuite, dans cette perspective. La femme dilatée est au premier plan, la seconde est normale, la troisième, comme je l'ai dit. Et puis cette troisième personne qui également est déséquilibrée, dans le fond, toute petite, mais très fine, très longue, qu'on voit à peine, qui est cette espèce de passe-muraille qui, pour moi, représente l'invisibilité. Voilà, l'invisibilité, la visibilité, ça a toujours été une question assez récurrente dans mon parcours. Et je pense que ce tableau m'a touchée parce qu'il représentait ces trois périodes, ces trois existences qui sont à nous toutes sans doute. Et en tout cas, moi. Et chaque fois que je vois, chaque fois que je m'arrête devant cette photo, je sais que je m'arrête devant une période de ma vie, et donc devant une de ces trois femmes. Voilà. Et aujourd'hui, on pourrait dire que je suis celle du milieu.